Yahoo Ibanja, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Ne fais pas gaffe à ma tête, on est en fin de journée, donc ça ressemble plus à grand chose. Toujours est-il, je te retrouve donc devant ma pile à lire. Alors oui, là, pour ceux qui ont l'habitude, tu dois te poser des questions parce qu'en fait, j'ai inversé ce qui était ici avec l'étagère là-bas. Et voilà, donc je viens de le faire vraiment à l'instant. Heureusement, ma maman m'a aidée parce que comme ça, j'ai gagné du temps. Et on va attaquer tout de suite, à savoir juste que là, le jour où je filme, on est vendredi 26, toi tu vas le voir dimanche. Et donc, pas mardi de cette semaine, mardi de la semaine d'avant, la maison de Noévé Graphics m'avait envoyé un colis. Je ne l'ai toujours pas reçu, donc je suppose qu'il a été volé, une fois de plus. Pourquoi je pense qu'il a été volé? Tout simplement parce que la maison d'édition Meian m'a envoyé un colis le vendredi, la même semaine qu'eux, et je l'ai reçu le lundi. Donc je me dis qu'il a dû être perdu. Si c'est le cas, de toute façon, la semaine prochaine, pour moi, j'achèterai les trois volumes que Noévé devait m'envoyer. C'est pas grave. Donc voilà, je ferai comme ça, je pense. Donc il y a ces trois titres, ces trois volumes-là que je dois lire. Plus, je sais que normalement, les éditions Meian, il y a le manga Shilin, ce titre-là, que je dois lire. Je ne l'ai pas reçu encore, mais normalement, ils doivent me l'envoyer. Et il sort normalement lundi. Donc j'ai fait une petite sélection sur mon téléphone vite fait de titres, soit qu'elle ait commencé, soit qu'il se terminait pour le mois d'avril, pour savoir un petit peu, parce que là, au jour où je filme cette partie, cette vidéo, je n'ai pas encore fait la liste pour la vidéo, les séries qui commencent et les séries qui se terminent. C'est pour ça que je suis obligée d'avoir des micro-notes. Alors juste dans les titres, je pense que là tu vois pas, c'est parfait, comme ça tu vois pas le téléphone. Déjà dans les titres que je vais lire pendant le mois d'avril, il y a déjà ce titre qui est Comme sur un nuage des éditions Akata. C'est une série terminée en 3 tomes et le 3ème tome doit sortir, si je ne dis pas de bêtises, le 8 avril. Donc ça c'est une série terminée en 3 tomes. Il y a aussi le titre Hors Colorful Day des éditions Akata que je m'achèterai. Je ne ferai pas de collab avec ce titre. Ensuite on a BL Métamorphose qui va se terminer, ça je le sais. Donc j'ai deux premiers tomes. Ensuite, ça c'est juste un one shot que j'aimerais lire. Je l'avais présenté le mois dernier, mais j'ai pas pu le lire. Voilà. Ensuite, donc je vais juste mettre ça comme ça parce que c'est juste pour toi, pour visualiser. Mais en fait, aujourd'hui, je devais recevoir, donc je recevrai plus tard, mon colis où j'ai commandé le tome 3, 4 et 5 de Sido. Donc je vais les mettre là juste histoire de visualiser. Après, il y a la série Takane et Anna. Je crois qu'elle est en 18 tomes. J'ai pas envie de dire une bêtise. Donc, Takane et Anna, c'est terminé en 18 tomes. Donc, 18, le 9 et 9, 18. Donc, 9 jours, on va dire. Donc, ça, on va dire une semaine. Non, voilà. Une semaine. Et 3, 6. Ça fait 6 mangas. Ça fait 3 jours seulement. Plus là ça fait 3, 4, 5, 5 jours, 6 jours. Là j'ai 6 jours à peu près avec ce que j'ai sélectionné. Et donc j'ai une semaine à peu près, une semaine et demie avec Takane et Anna. Donc ça fait 2 semaines sur 4. Ensuite, j'aimerais bien... je crois que... Je suis pas sûre. Mais je crois que Sick, là le Yuri, Sick, Still Sick, doit se terminer en... Je ne l'ai pas dans mes notes, donc je ne sais pas. Après il y a 1, 2, 3, 4 séries, 4 one-shot que j'ai envie de lire. Donc on va dire que du coup j'ai les 3 semaines. Et donc il me reste la valeur d'une semaine. Qu'est-ce que je peux lire pour la valeur d'une semaine ? J'ai envie de me lancer dans un truc, mais la série est un peu longue, je crois. 20 tomes. Non, je trouve autre chose. Compliqué, parce que là, ça ne me fait pas de contenu, en fait, vidéo. Et ça, en fait, tout ce que je vais lire en avril, techniquement, je le présente en mai. Mais du coup, ça me ferait 1, 2, 3, 4... Et encore, ça fait 4 vidéos seulement, c'est ça qui m'énerve.
Et en plus, il n'y a plus de séries courtes, quoi. Les séries en retard. Si, je sais ce que je vais faire. Je sais. Je reviens. Comment je passe? Comme ça. Je reviens. J'ai trouvé ce que je vais lire. Ça me fera au moins 2 jours de plus. Je vais lire ça, Flying Witch. Les premiers tomes, comme ça, ça me fait une petite vidéo rapide, facile, etc. Est-ce que j'ai compté du coup les titres 9 jours et j'ai 9 jours du coup avec Takane et Anna. On va dire 8 parce que je pense qu'il se lit assez rapidement. Et donc je pense qu'il se lit assez rapidement et donc que je peux arriver à le caser en une semaine. Donc là j'avais 9 jours. Une semaine, 2 semaines, 2 semaines et demie. On a dit 3 semaines grand maximum. Est-ce que je tenterai pas? Si, mais Fuka peut-être? Non, Fuka c'est pour le mois de juin. Merde. J'ai oublié ce détail. On écoute. On va dire que je les prends. Mais ça sera en cas d'extrême urgence. Et après, je sais pas, parce que faut voir ce que je lirai, ce que j'aurai pas le temps, si j'ai le moral, si j'ai pas le moral. Et si jamais je peux, bah, je lirai Lila, la bête qui voulait mourir. En 4 tomes. Mais voilà, là je sais pas du tout, j'arrive pas à visualiser parce qu'il n'y a pas grand chose qui sort, il n'y a pas grand chose que je dois recevoir en collab ou quoi que ce soit. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 4. 4 voire 5. Ah, 4 voire 5, ça fait quand même. Ouais, ça fait 2 jours. Ouais, bon, écoute, voilà, on va rester sur ça, donc je vais tout te représenter. Je suis désolée, les vidéos pile à lire, je trouve que ça ne doit pas être les plus intéressantes pour toi. Faudrait carrément que je te... Je sais pas si tu préfères que je reste comme ça à réfléchir avec toi, ou si tu préfères que je fasse une vidéo assis, posée derrière mon fond, ou ici, et que je te montre directement ce que j'ai sélectionné. Ça peut être peut-être plus intéressant pour toi, je sais pas. Donc, on va représenter dans l'ordre logique, c'est-à-dire dans cet ordre-là. Je vais donc lire comme sur un nuage en 3 tomes des éditions Akata. Ensuite, je vais lire Horror Colorful Day des éditions Akata, terminé aussi en 3 tomes. J'ai donc les. Ça sera vraiment prochainement les tomes 3, 4 et 5 de Sido pour en faire une vidéo. Ensuite, il y a Buzz Love Metamorphose. Je ne sais pas du tout quand il se termine au niveau de la date. Donc ça, si je peux, ça me ferait une vidéo quand même pour cet été, ça m'arrangerait. Les 4 premiers tomes, du coup, de Flying Witch. Et après, à voir, mais je tenterai bien, du coup, les 3 premiers tomes de May Butler. Butler. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo, pile à lire, j'espère quand même qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à me dire du coup si tu veux qu'on continue sur format je réfléchis avec toi, ou si on fait le format posé et je te montre directement la pile à lire. Voilà, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure, n'oublie pas les 2 précédentes vidéos que je te mets en recommandation, ma tête de panda, mes réseaux sociaux et le compte Vinted. Sur ce, à bientôt.